Il m'a fait peur, celui-là. J'ai beau être un grand garçon, la peur, ça ne se contrôle pas. Et il n'y a pas de honte à avoir. C'est normal d'avoir peur. C'est même parfois très utile. Allez, aujourd'hui, on décortique cette émotion. D'où vient-elle? À quoi sert-elle? Pourquoi aime-t-on parfois se faire peur, mais pas d'angoisse? Bah, souris. À la base, personne n'aime avoir peur. Et pourtant, cette émotion est très utile dans la survie des espèces. La peur nous permet de fuir ou de faire face à un danger. La peur est en fait un comportement instinctif qui se déclenche face à l'inconnu. Un bruit inhabituel, par exemple, un individu à l'allure étrange, l'attente de résultats d'analyse médicale ou d'examen. La peur est aussi liée à nos apprentissages. Si vous avez déjà été attaqué par un chien étant enfant, vous risquez d'en avoir peur toute votre vie. Elle peut aussi avoir une origine culturelle. La vue d'une grosse mygale, par exemple, ne fera pas peur à une personne née en Amazonie, alors que 5% de la population française a une peur bleue de la moindre petite araignée. Allez, c'est parti. J'ai trop peur, là. Alors, personnellement, les araignées ne me font ni chaud ni froid. En revanche, dans la situation dans laquelle je me trouve, je vous promets que je n'emmène pas large. Parmi les origines de la peur, il y a aussi la peur du vide. Bon, c'est un petit peu ça, mais chez moi, c'est autre chose. Je vous en parlerai un peu plus tard. Là, je vais m'arrêter de parler et je crois que je vais crier. Oh, je sens qu'on approche. Qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce que je fais ici? Oh, oh, oh là 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 là. À gauche, c'est terrible. Oh, oh non, non, non. Ah, 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 ah. Oh. C'est terrible. Ah, je préfère fermer les yeux. Que se passe-t-il dans notre organisme au moment où nous sommes saisis par la peur? Pour qu'elle se déclenche, il faut un stimulus, une image, un bruit, une odeur, la peur du vide pour certains, comme dans l'attraction précédente. Chez moi, je vous l'ai dit, c'est autre chose, la peur que les wagonnets ne déraillent. Et puis, il y a tous ces bruits autour de nous. Ces données sont transmises à l'amygdale. Rien à voir avec les amygdales qui se trouvent dans la gorge. Cette amygdale-là est située dans le cerveau et c'est le siège de la peur. C'est une petite structure en forme d'amande chargée de déclencher un processus réactionnel destiné à faire face à une situation qui génère le stress ou la peur. L'amygdale permet donc de répondre rapidement face à un danger. Une fois qu'une menace est détectée, elle envoie à son tour un signal d'alarme au niveau de deux petites glandes situées au-dessus des reins, les glandes surrénales. Celles-ci déclenchent la libération d'un cocktail d'hormones, du cortisol, entre autres, qu'on appelle aussi l'hormone du stress, de la dopamine, des endorphines et de l'adrénaline. L'adrénaline est une sorte de messager qui va préparer l'organisme à affronter le danger. Elle provoque la dilatation des pupilles afin d'améliorer l'acuité visuelle. Notre respiration accélère afin de renouveler rapidement l'air que contiennent nos poumons. Le cœur, boum 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 boum, se met à battre plus vite pour favoriser la circulation du sang afin d'alimenter les muscles en oxygène en cas de lutte ou de fuite. Le foie, lui, produit plus de sucre pour fournir de l'énergie. En cas de grosse frayeur, notre estomac peut aussi se nouer et notre bouche s'assécher. La peur occasionne aussi des changements visibles à l'œil nu. On devient pâle,
c'est parce que le sang se concentre en priorité dans les muscles de nos jambes. Oh, je préfère fermer les yeux. Oh non. On transpire également. Ce sont les fameuses sueurs froides pour anticiper le refroidissement de nos muscles en cas d'effort. Bon, je vous rassure, dans la majorité des cas, tout cela ne dure que quelques instants. Lorsque le cortex préfrontal, la zone de réflexion, réalise qu'il n'y a pas de danger, il se charge de calmer le jeu. La preuve, tout va beaucoup mieux maintenant. Dans certains cas, la peur peut littéralement nous paralyser. Ce réflexe se produit lorsque notre cerveau, après analyse, en déduit que le combat ou la fuite sont impossibles. Autrement dit, lorsqu'on se sent pris au piège. Notre cerveau met alors nos muscles à l'arrêt dans l'espoir que notre agresseur se désintéresse de nous. Chez certains animaux, comme l'opossum, la paralysie est un véritable réflexe de survie qui leur permet de simuler la mort pour décourager certains prédateurs. C'est aussi le tout premier de nos réflexes. Il apparaît in utero, dès la cinquième semaine de grossesse et a pour but de protéger l'embryon en cas de stress. Celui-ci se fige pour survivre. Peut-on s'habituer aux situations qui nous génèrent de la peur? Eh bien, la réponse est oui. La peur des araignées ou celle du vide, par exemple, peuvent être traitées à l'aide de différentes thérapies comportementales. Ces techniques permettent de désensibiliser les patients en les exposant de manière progressive aux causes de leur peur. À force d'y être confrontés, ils s'habituent. Conséquence, dans les parcs, la peur générée par certaines attractions finit par s'estomper. Or, ce n'est pas le but du jeu. Pour l'éviter, les grands parcs sont obligés de faire preuve d'inventivité, de créativité. C'est le travail de Julien Simon, il est ingénieur dans ce parc. Bonjour Julien. Bonjour Jamy. Alors c'est quoi votre recette pour toujours générer des sensations fortes chez le public? Alors recette, je pense que c'est un terme assez intéressant parce que on fait un peu de la cuisine avec une montagne russe. On a un ensemble d'éléments qu'on va assembler tel un plat pour créer ces sensations. Sur Toutatis, par exemple, on a essayé d'amener des éléments qu'on n'avait pas encore sur les autres montagnes russes du parc Astérix. Par exemple des catapultes, c'est-à-dire le visiteur va être accéléré via un système électromagnétique. On a des inversions aussi qui sont assez originales parce qu'au lieu de juste vous mettre la tête en bas, on va aussi vous tirer vers le sol, vous allez vraiment avoir l'impression de tomber. On a énormément de moments d'apesanteur, donc on va vous faire flotter dans le siège comme un astronaute. On va même vous tirer vers le haut, on va vous exercer jusqu'à moins 1,1G, donc on va vous tirer de 1,1 fois votre poids vers le ciel, donc on a vraiment l'impression d'être éjecté. Donc voilà, donc c'est une espèce de cocktail très varié pour susciter le plus de sensations différentes possibles. Où est-ce que vous puisez cette inspiration? Dans le passé, mes prédécesseurs se sont pas mal inspirés des figures de la voltige aérienne. Les premières inversions viennent de là. Et après, on a des modèles mathématiques qui nous permettent de pousser un peu les accélérations en se disant qu'est-ce que ça donnerait si on combinait telle force dans ce sens avec telle force dans ce centre, en repartant d'éléments qui existent déjà et en essayant d'y amener une petite saveur légèrement différente. En tenant compte, bien sûr, des limites du corps humain. Tout cela est défini par une norme. Il y a une norme européenne qui régit ce que l'on a droit de faire avec le corps humain de nos chers passagers. Il faut avoir peur, mais pas trop. C'est ça. Le but d'une bonne montagne russe pour moi, c'est que le visiteur en descende et ait immédiatement envie d'en refaire un tour. Si on met que des éléments très intenses, il va finir par être barbouillé, il va sortir et il va pas être très bien et c'est pas du tout le but. Vous avez parlé de recettes, mais c'est aussi un morceau de musique parce qu'il y a tous ces ingrédients comme des notes de musique qu'on ne peut pas mélanger n'importe comment. Il y en a qui se suivent mieux que d'autres. Généralement, quand on fait une courbe à droite, après on enchaîne avec une courbe à gauche et on essaie aussi de jouer avec le rythme. Et en fait, on va alterner entre succession d'éléments rapides pour faire une espèce de staccato et parfois des éléments plus longs, parfois même des petites pauses pour que le visiteur il ait temps de reprendre un peu son souffle avant qu'on le réaspire dans la suite du parcours. C'est vraiment un morceau de musique qu'on compose avec le constructeur. Dans les parcs d'attractions, les visiteurs sont donc à la recherche de sensations fortes. Autrement dit, ils aiment se faire peur. Mais d'où vient ce malin plaisir? Je suis pas très rassuré. Mais je vous l'avoue, ça m'amuse beaucoup. Les maisons hantées, les contes effrayants peuplés de personnages maléfiques, les films d'épouvante, on est nombreux à aimer ça.
C'est plutôt bizarre, non? On l'a dit tout à l'heure, la peur n'est pas une émotion qui génère du plaisir. Alors comment se fait-il que parfois, nous ayons envie de nous faire peur? Eh bien, d'après certains scientifiques, nous sommes victimes de la dopamine. Elle appelle aussi l'hormone du plaisir. Elle est sécrétée immédiatement, par exemple, après avoir fait du sport ou mangé une pâtisserie, mais aussi après avoir vécu une grosse frayeur. C'est fini, là. Elle joue le rôle de récompense. Elle a donc un aspect addictif. Toutefois, il y a une grande différence entre se faire poursuivre dans la vraie vie par un tueur et par un zombie dans une fausse maison hantée comme dans celle où je me trouve. Là, je sais qu'au fond, je ne risque rien. Mon cerveau oscille donc entre la peur générée et l'excitation. Et si vous vous demandez pourquoi certains de vos amis adorent les films d'horreur quand vous les détestez, eh bien, c'est parce qu'au moment du dénouement, ils produisent plus de dopamine que vous. D'après une étude publiée il y a quelques années, les gens qui fabriquent des taux élevés de dopamine sont plus à même d'apprécier les attractions à sensations fortes ou les films d'horreur. Le plaisir que l'on prend à se faire peur est donc lié à la satisfaction qui succède à la peur. On ressent même de la fierté de l'avoir surmonté. Se faire peur permet donc parfois de booster l'estime de soi. Il y a un autre phénomène étrange avec la peur. Comme le rire, elle est contagieuse. La maison hantée ou le marécage dans lequel je me trouve ont été conçus pour générer de grosses frayeurs. C'est pourquoi les visiteurs qui s'y rendent y vont rarement seuls, le plus souvent en groupe. Ça les rassure. Sauf que la présence des autres, contrairement à une idée reçue, accentue la peur. Quand une personne se met à crier, son voisin, sa voisine en fait autant, même s'il n'était pas particulièrement effrayé au départ. En fait, nous sommes sensibles à la panique ou à la peur exprimée par nos proches. La peur est contagieuse. Ce phénomène a été étudié par des chercheurs du California Institute of Technology aux États-Unis. Ils ont invité 156 personnes à visiter une maison hantée, un petit groupe. Pendant 30 minutes, celles-ci ont été confrontées à des situations terrifiantes. Résultat, plus les groupes étaient nombreux, plus les gens avaient peur. Ce réflexe n'est pas spécifique aux êtres humains. Il a été observé chez la plupart des animaux sociaux. Tenez, lorsqu'une antilope aperçoit un lion qui traque son troupeau, elle se fige un instant. Puis, elle lance un cri, exprimant sa peur qui provoque la fuite de tout le groupe. Cette réaction du groupe n'est pas déclenchée par la vue du lion, la plupart ne l'ont pas vue. Elle a été déclenchée par le comportement terrifié d'un seul membre du groupe. En un clin d'œil, celui-ci a transmis sa peur à ses congénères. Ce phénomène est un puissant réflexe de survie, mais il y a le revers de la médaille. Il est à l'origine des crises de panique de masse qui peuvent survenir lors des concerts ou d'événements sportifs. Une fois que la peur est déclenchée dans la foule, les gens n'ont ni le temps ni l'occasion de vérifier les sources de la terreur. La peur se propage d'un individu à l'autre, tout le monde se met à courir et à crier pour sauver sa vie, et parfois, ça se termine par des tragédies. Comme quoi la peur est essentielle pour notre survie, mais très mauvaise conseillère. Je suis pas très rassuré, mais promis, je ne crierai pas. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère ne pas vous avoir fait trop peur. On se retrouve prochainement sur les réseaux Épicurieux pour de nouvelles sensations fortes. À très vite. Enfin, pas trop quand même. Oh mon Dieu. Oh, c'est fou. Déménage énorme.